Depuis le vendredi 17 juin, Monte-Carlo accueille la 61e édition du Festival de télévision. Ainsi, après deux ans de pandémie, liée à la crise sanitaire, enfin les stars du petit écran ont pu se retrouver. Et une chose est sûre, il y avait du beau monde. Neil McDonough a fait le déplacement. L'acteur phare de Desperate Housewives, Arrow, The Flash était aux côtés de Jane Seymour, connue pour son rôle dans Dr. Quinn, femme médecin. Stéphanie Kramer était aussi de la partie, tout comme Darko Peric de la Casa de Papel. La star d'Alerte à Malibu et K2000, David Hasselhoff était aussi présent pour sa nouvelle série The Network. Du côté des Français, les spectateurs ont pu retrouver Joey Starr, qui s'est dernièrement illustré dans Le Remplaçant, Lola Marois, actrice dans Plus belle la vie. Hugo Becker était également présent pour présenter la nouvelle série dans laquelle il va jouer et qui sera diffusée sur Apple Television. Adriana Carambeu a également fait le déplacement, elle qui a déjà joué dans Plus belle la vie et qui officie dans de nombreuses émissions avec son acolyte Michel Simès. Théo Christine, qui a joué dans le film Suprême, est le premier lauréat de la nymphe du meilleur espoir international. Rachel Legrain Trapani et son chéri ont aussi fait le déplacement. Le prince Albert et Charlène de Monaco présents au festival de la télé de Monte-Carlo a également été l'occasion de retrouver Albert de Monaco et la princesse Charlène. En effet, après plusieurs jours d'isolement liés au Covid-19, la maman de Gabriella et de Jacques est réapparue dans une magnifique robe verte. Si le jeudi 16 juin, le couple avait fait une apparition au balcon du palais princier, cette fois-ci, il s'est mêlé aux acteurs et actrices, pour le plus grand bonheur des photographes.